Promis, Père Noël, vous ne serez pas déçus. Je vous le dis, riche par devenir votre ami.
Mais quelle idée! J'imagine toutes les bêtises que tu ferais. Je compte sur vous pour m'aider à tout réparer, car nous devons être prêts pour la veille de Noël. J'ai besoin de votre aide à tous. Tape plus fort! N'arrête pas de faire le chiot! Fais à droite, le billon! Ça me tient! Le martin, laisse tes doigts de là! Sur les clous, j'en ai besoin! Donne plus fort, ça sort ton cul! Et d'autres plans, nous, non? Ah!
La veille de Noël, tu sais. Je n'aurai pas le temps de m'occuper de toi tant que Noël ne sera pas passé. Plus vite, plus vite! Attends, Antoine! Qu'il n'oublie rien! Ah, les cadeaux sont tous en train de me rendre!
dit quelque chose? J'espère qu'il n'est pas trop tard. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est le Père Noël qui nous a porté. Parfois, on dirait des petits palutins. D'où est-ce qu'ils ont bien pu venir? Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Tout petit! Joyeux Noël!
pas de nom. On l'appelait tout petit, il ne faisait rien de bon. Le jour où ses pieds sont devenus bleus, on le réclama. Il était soudain fameux avec ses petits bas. À des milliers de cheminées, on vendra des bas. Les Noëls seront plus gais, ce sera à cause de toi. Petit bible, tu t'y fais un nom. Maintenant ton cœur est heureux, chante ta chanson. Maintenant ton cœur est heureux, chante ta chanson. Un petit taureau que l'on appelait El Torito. Et sept petits garçons qui rêvaient d'une seule chose, devenir plus tard de célèbres matadors. Là-bas, les corridas sont aussi populaires que les matchs de football chez nous. Dans ce pays, les garçons ont tous le même rêve de gloire. Munis d'une cape et d'une épée, les toreros rivalisent d'habileté pour éviter les cornes pointues du taureau furieux. S'entraîner pour pouvoir espérer descendre un jour dans l'arène. Et dans toutes les villes, dans tous les villages d'Espagne, on rencontre des petits garçons qui s'entraînent à cet art si difficile. L'histoire que vous allez voir maintenant se passe dans un petit village où, plus qu'ailleurs encore, sept garçons s'entraînaient du matin au soir. Il y avait José, Carlos, Juan, Esteban, Pancho, Manuel et Pablo. En guise d'épée, ils n'avaient que des bâtons taillés et des sacs de pommes de terre comme cap. Tout au long de la journée, ils paradaient à travers le village, brandissant leurs armes, agitant leurs capes, à la manière des champions qu'ils avaient vus à Madrid. Ils ne se voyaient plus comme des garçonnets, mais comme les nouvelles vedettes de la corrida. À l'extérieur du village, dans un grand pré, vivait un jeune taureau. Il s'appelait El Torito. Torito n'était pas bien vieux, et ses cornes n'étaient encore, malheureusement pour lui, que de simples petites bosses. Il était très heureux sur son lopin de terre, comme la plupart des animaux dans la nature. Il aimait caracoler dans les prairies. Il n'oubliait jamais d'aiguiser ses cornes. Et ce qui lui manquait, en fait, c'était des amis pour jouer. Il était un peu triste d'être toujours seul. Un peu plus loin, au village, les enfants en avaient assez de faire semblant. Ils décidèrent qu'ils étaient prêts et qu'il était temps d'affronter un taureau, un vrai. Pas un énorme, tout de même. Un animal à leur taille, avec des bosses en guise de cornes. Ils prirent donc le chemin de la prairie, où se trouvait El Torito. Sabre au clair, cap au vent. Sept valeureux matadors allaient affronter l'animal le plus féroce de la région. José,
Carlos, Juan, Esteban, Pancho, Manuel y Pablo. De son chant, El Torito vit arriver les gamins. Il était fou de joie. Enfin de la visite, se dit-il. Mais ces petits garçons veulent peut-être devenir mes amis et viennent jouer avec moi. Il regarda escalader la barrière. Cette fois, plus de doute, il venait jouer. El Torito se mit à gambader et les enfants coururent après lui, en criant, en agitant leurs sacs et en brandissant leurs bâtons. Jusque-là, El Torito s'amusait beaucoup. Mais les enfants commencèrent à le frapper. Il sentit monter en lui une sensation nouvelle, une rage qui éclata comme une tempête. La colère d'un taureau, même petit, peut être redoutable. El Torito se préparait à charger. Les enfants effrayés s'enfuirent à toutes jambes. Ils couraient vite, mais aucun n'était aussi rapide que l'animal furieux qui maintenant s'acharnait après eux. Il leur fit goûter ses petites bosses et chacun à leur tour les franchir à nouveau la barrière. José, Carlos,